Je pense à toi. Je pense à toi. Guéris mes pieds. Guéris mes pieds. Que la terre prenne mon mal. Que la terre. Mais vous crachez. Que la santé reste là dans mes pieds. Faut boire beaucoup d'eau avant de faire le rituel. Que la santé reste là dans mes pieds. Reste là dans mes pieds. Je pense à toi. Eh bien, en fait, j'ai un problème de diarrhée. Bah non. Hey, c'est qui le médecin? Oui. Hein? Mais je vois votre désarroi, votre véritable mal. Alors que les diarrhées ne sont pas symptômes de ce véritable mal. C'est un honteux problème de bourse. Mais chut! C'est pas des choses dont on parle en public, malheureux. Mais je suis ruiné. Si j'étais malhonnête, je vous conseillerais de les empoisonner. Poison violent, virulent ou douloureux. Mais je ne veux pas vous influencer. Mais j'ai le droit de faire ça? Bah... Alors, je me suis dit qu'un goès comme... Ah! Ne m'insultez pas, je vous prie. Je suis un honorable magos. Je pratique une magicienne. Et scientifiquement approuvée et testée. Oh, et puis je craindrais trop de tomber sous le terrain qui encombrerait de la loi des 12 tables en jetant des ballons carmen et autres mauvais charmes sur la santé, les biens et les réputations de mes congénères. Oh, moi, vous savez, je m'en fiche, hein. Je veux juste punir ma femme. Ah, à titre strictement préventif. Non, je comprends. Avez-vous quelques-uns de ces cheveux? Ah oui, oui. J'en ai récolté quelques-uns sur sa robe. Moi, Pancratès, celui qui détient toutes les puissances par les forces secrètes et mystérieuses des êtres de la nature, par le traité des cyranides et ses quatre matières médico-magiques, oiseau, plante, minéraux, femme, mauvaise, par ce pic que je plante dans ta bouche, tu ne parleras plus à un autre homme que le... Loupien ! Femme, mauvaise, par ce pic que je plante dans ton... Non ! Je pense qu'elle a eu son compte, merci. Hein ? Oui, oui. Bon. De quelle confession religieuse êtes-vous ? Romaine. Prenez donc, c'est un taille égyptien. Il vous gardera du mauvais œil. Enfin, pourquoi égyptien? Mais voyons, il faut toujours porter une amulette d'une religion étrangère. Si vous comprenez ce qu'il y a écrit dessus, le charme ne fonctionnera pas. Mais c'est le peu à bas. Réincarnation des hacks. Je suis ma... propre réincarnation. Jadis, me jetant dans les Knas, sacrifiant, immolant mon corps par le feu devant une foule, un peuple entier assemblé, prosterné devant moi, je suis devenu un dieu. Vous avez l'air bien fatigué quand même. Non, mon corps est reposé, plus que de raison. Vos pieds fermement ancrés dans la terre, comme les racines d'un arbre. À présent, vous dormez. Par ton intermédiaire, c'est au Dieu que je parle. Mon client ici présent est-il maudit? Question invalide. Veuillez reformuler la question. Reformater le système. Eh bien. Voilà quelqu'un qui a bien besoin du soutien des dieux. Je voudrais savoir surtout ce qui a attiré leur colère sur moi. Mon maître. Un maudit. Ça sacrifié les épaules de Mars. Un guerrier. Ah, c'est bien un guerrier. Et c'est toi?
toi qui iras le chercher. Je doute que tu arrives à le rattraper. J'ai une idée. Un animal. C'est bien un animal. C'est cruel. Ah bah oui, mais les animaux, ils sont super nuls en malédiction. Alors, non, je ne pourrais me résoudre à sacrifier un pauvre animal innocent. Non, non. L'esclave, c'est beaucoup mieux. Oh, Dieu barbu de nos vieux noms, paternel et protecteur, entends-moi. Dans le lien mystique qui unit cette urne au monde des dieux, entends-moi. Accepte cette offrande de nourriture, cette pomme sucrée et... Grignotée. Gustativement sélectionnée pour apaiser ton corps.